Bonjour, c'est Monsieur Amara. Et soyez les bienvenus à la radio Guinée-Matin Bonheur. Soyez les bienvenus. Ouais. Monsieur, qu'est-ce que, selon vous, le président de la République doit dire aux Guinéens dans son discours de langue demain? Donc, moi, mon avis, avant tout d'abord, je dois remercier la femme guinéenne et la jeunesse guinéenne. Je dis bonne heureuse année à tous les Guinéens et la bonne chance à la Guinée. Et le président de la République doit tenir son discours demain. Je souhaite bonne chance à notre président de la République, Roger Alpha Condé. Je souhaite bonne heureuse année. En fait, ce que je veux dire au président de la République, à mon avis, je ne suis pas politicien, je suis un simple civil. Ouais. Donc, à mon avis, il doit tenir son discours. Le discours doit être la société bien cadrée pour la Guinéenne. La Guinée s'attend à quelque chose que le président doit intervenir à nous dire demain à propos de la développement guinéen, de la sécurité, parce que là où on est comme ça, on a assez de l'investisseur en Guinée. Mais comment l'investisseur doit venir? Si on a la, si on a dans la sécurité, on ne peut pas venir investir chez nous. Donc on peut prendre des dispositions au sein de l'autorité de renforcer la sécurité de la population guinéenne. Et le développement aussi ne peut pas marcher sans qu'on ne soit pas être unis. On veut que la paix règne dans le pays, c'est ce que nous voulons. Et la bonne santé et la succès, la priorité de la Guinée, c'est ce que nous on voulons de la Guinée. Je vous remercie. Merci.